Bonjour, c'est ça, de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Il y a 20 ans, le public découvrait la voix angélique de Jean-Baptiste Monnier en le film à Succès les Choristes, où il partageait l'affiche avec Gérard Jugnot et François Berléand. Il y incarnait Pierre Morange, un élève rebelle d'un internat pour garçons en difficulté, qui révélait un talent exceptionnel pour le chant et rejoignait la chorale de l'école. Le succès de ce film lui a ouvert les portes du cinéma lui permettant de jouer dans plusieurs autres productions, notamment Le Grand Maune en 2006 aux côtés de Nicolas Duvauchel, ainsi que Elphone, L'Auberge Rouge, et Perfect Baby. Jean-Baptiste Monnier s'est également illustré à la télévision, apparaissant dans des séries comme Mes Chers Disparus, ainsi que dans la dernière saison de Léo Mattei, Brigade des mineurs et Demain nous appartient, où il joue un professeur de SVT. En 2021, il a participé à Danse avec les stars. En dehors des plateaux de tournage, il consacre du temps à sa famille, avec sa compagne Léa Arnezeder et leurs deux enfants, Ezra et Joseph. Jean-Baptiste Monnier dévasté par la mort de sa mère ce vendredi 24 mai, Jean-Baptiste Monnier a partagé une nouvelle tragique sur son compte Instagram, le décès de sa mère, Muriel Monnier. Il a exprimé sa profonde douleur avec ces mots « Maman ». 24 mai 2024 Mon étoile, tu brilleras et tu illumineras nos cœurs pour l'éternité. Je t'aime. Il a accompagné ce message émouvant d'une photo en noir et blanc, probablement montrant sa main serrant celle de sa mère. Sous ce poste, Jean-Baptiste Monnier a reçu un soutien massif de la part de ses abonnés et de nombreuses personnalités. Parmi les commentaires, l'humoriste Ahmed Silla et la chanteuse Nolwenn Leroy ont exprimé leurs condoléances. D'autres célébrités, telles que Denitsa Ikonomova, Chris Mark, l'actrice Claire Romain et l'animateur radio Bruno Guillon, ont également partagé des messages de réconfort. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.